Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême joie pour une vidéo ouverture de figurines. Et en ce moment, oui, je sais, j'en achète beaucoup, beaucoup. Surtout, tu en auras une, toi, encore en juillet, mais je l'ai achetée il y a très longtemps. Mais c'est ma figurine pour mon anniversaire, donc je l'ouvre pas avant. Toujours est-il, là, on est avec le site Figura House. Et si jamais ça t'intéresse, je te mets à côté de moi un petit code promo. Tu as moins 7% si je dis pas de bêtises pour tes commandes, sauf précommande et sauf les promos. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et à savoir que le code est dans la barre d'infos de absolument toutes mes vidéos. Que ce soit ici, sur eBay World, sur les autres chaînes, les collections, la chaîne Hentai. Peu importe la chaîne, tu as toujours les mêmes codes promo mis sur toutes les chaînes. Donc en fait, ça te permet de ne pas aller chercher la vidéo où j'ai mis le code. Non, non, ça c'est mis directement pour que tu puisses le faire tranquillement. Donc voici le collier, je ne sais plus si je te l'ai présenté. Voilà, ce que j'ai aimé... C'est le petit logo fragile quand même, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et j'ai juste enlevé ici l'étiquette où il y avait mon adresse, bien entendu. Et on va ouvrir ça tout de suite. Donc je sais pas, tu verras sûrement peut-être un petit accéléré ou une petite coupure par rapport à l'ouverture du colis pour pas que ça soit trop long non plus pour toi. Voilà. Ouhou. Voilà, voilà. Aïe, ah. Est-ce que tu me crois si je te dis j'ai réussi à me blesser avec mon ciseau de maternelle? Ah, il y a une pointe hein, au bout, faut pas croire, hein, c'est dangereux ces bestioles. Ah, voilà! Voilà à quoi ressemble le colis. Donc je trouve ça juste trop beau d'avoir une feuille comme ça. Je sais pas, moi je trouve ça badass, les feuilles comme ça. Alors, Figura House, la boutique en ligne, des figurines et produits dérivés, manga X anime. Venez découvrir la sélection de nos produits. Oui, c'est une petite pub, voilà. Et à l'arrière, j'adore parce que c'est personnalisé quand même. Merci beaucoup pour ton achat. Ibi, nous te remercions d'avoir choisi Figura House pour ta commande. Nous espérons que le contenu de ce colis te plaira. En attendant de te revoir sur notre boutique, nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Bien cordialement, l'équipe Figura House, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Alors, je dis que c'est personnalisé tout simplement parce que voilà, il y a un petit espace pour qu'ils mettent à la main le nom. Alors, c'est sûr, ça prend pas longtemps d'écrire un nom à la main. Mais je trouve personnellement, c'est le genre de détail, moi, qui me fait plaisir. Voilà. Donc, je te remonte vite fait le site. Comme ça, tu peux y aller toi-même en même temps que tu regardes la vidéo. Par exemple, tu mets en double écran comme moi je fais ou quoi. Et voilà. Alors, ensuite, j'ai voilà la petite feuille avec justement le récap de la commande. Donc, j'ai pris une figurine. Bon, je ne veux pas te dire le nom. Par contre, est-ce que c'est ce que je pense? Ah, yes! On a, je sais pas si tu verras, on a deux feuilles. Alors moi la figurine elle était en promo parce que de base elle coûte à peu près dans les 24 euros. Là elle était en promo donc je l'ai payée 21,90 €. Et les frais de port d'expédition sont de 3,50 €. Donc tu vois ça reste très raisonnable. Et moi vu que je suis youtubeur, je ne te le cache pas, j'ai eu une petite collab du coup avec le site. Et donc j'ai eu une petite réduction de 4,80 €. Donc en fait réellement j'ai payé 21,02 €. Donc je t'explique vite fait. En fait moi j'ai demandé donc au site si c'était possible. Parce que je savais qu'une autre youtubeuse avait eu un code de réduction pour ses abonnés. Donc j'ai demandé si c'était éventuellement possible pour vous d'avoir un code. Donc j'ai obtenu du coup un code de réduction pour mes panchas. Donc vous avez votre code à vous. Et moi en fait quand je commande, il suffit juste que je prévienne à l'avance que je suis Bi Otaku le youtubeur, enfin voilà. Et ils me font un petit code aussi de réduction pour quand moi je fais mes propres commandes. Voilà, je tenais juste à te le dire. Donc voilà à quoi ça ressemble quand même. Et oui, c'est une figurine SAO et c'est une figurine surtout pile pour la saison du mois de juin, car c'est une figurine version été plage. Voilà, alors je vais ouvrir ça et on se retrouve juste après. Ça c'est le truc que je déteste par dessus tout, c'est quand le scotch, quand le scotch se colle à mes doigts. Oui, très clairement là je viens de le coller sur le trépied. Je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas parlé des délais d'envoi. Donc à savoir que moi j'ai commandé le 30 mai 2020, ça c'est la date de facture, et que je tiens aussi à te préciser que j'ai commandé vers midi.
Oui, ça a une influence parce que des fois, le matin, ils peuvent peut-être faire partir leur colis, je sais pas, je préfère te le dire. Et à savoir que donc, moi, j'ai reçu le colis le vendredi du coup 5, si je dis pas de bêtises. Moi, le jour où je filme, on est le lundi 8. Donc oui, j'ai eu vendredi dernier, sachant que j'avais pris en point relais. Pas mondial relais, point relais, parce qu'apparemment, les mondiales relais, encore une fois, avec le corona, il y a toujours quelques petits soucis. Toujours est-il que, voilà, en ce qui concerne les délais de livraison, et je trouve ça tout à fait correct, et c'est surtout respecté par rapport au nombre de jours annoncés. Voilà, c'est ça que je tenais à préciser. Donc, tu peux voir qu'il y a vraiment la double couche partout, c'est ça que je trouve génial. Donc voilà à quoi ressemble la figurine, je te la montre d'abord comme ça. C'est une figurine donc du coup de la collection Bon Presto. On a, je sais plus, ah non, c'est de ce côté-là, le petit logo ici. Voilà, on est avec Bon Presto. Et donc j'ai voulu pour cet été, pour ce mois de juin, m'acheter une figurine du coup en maillot de bain. Laisse-moi deviner. Ouais. Voilà, pourquoi je disais ouais. Alors logiquement, ça doit être le genre de figurine, pas comme Hatsune Miku, ça prend ce truc. Ok, si t'as des trucs à... t'es prêt ou pas? Parce que là, très clairement, c'est gore ce que je vais te montrer. Très clairement. J'ai un corps sans tête. Donc avant de continuer avec la figurine, je voulais juste te faire une petite parenthèse, à savoir que j'ai fait une vidéo double ouverture de figurine SAO. Et je te mettrai le lien en barre d'infos, à savoir que si tu vois que je ne mets plus rien en i, c'est tout simplement parce que normalement, YouTube m'a désactivé ce droit, tout simplement parce que je suis, une fois de plus, un petit YouTuber. Voilà, donc si tu veux me soutenir dans tout ça, dans mes aventures, et... ben voilà. Pense à t'abonner aux chaînes, aux toutes petites chaînes, parce que du coup, nous, on nous désavantage de beaucoup de choses, et on nous limite de beaucoup de choses, et on essaie très clairement de nous tuer. Donc voilà. Le corps avec... Je sais pas, je trouve ça glauque en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais avec les cheveux devant, je trouve ça assez glauque. C'est comme si c'était la barbe. Mais alors attends, je voudrais juste voir... Ah mais moi j'ai les mèches, elles sont... Ah d'accord, oui d'accord. Ok, donc en fait les mèches sont souples et donc elles vont se caser elles-mêmes à cause des boobs. C'est trop bien ça. Aussi bien d'avoir des gros boobs en fait. Je le fais là pour que tu puisses voir. Ouais, ça passe tout seul. Ta passe crème. Et effectivement, du coup, les mèches se sont mises toutes seules. Voilà. Est-ce qu'il faut que la mèche soit devant le... Non, derrière le bras. Ok. Donc voilà. Et après, il y a la bouée et le socle. Ok. Donc je vais sortir d'abord le socle. Et la petite bouée qui est juste trop belle. En plus, elle est toute transparente. Je trouve ça trop mignon. Et elle est orange assortie à ses couleurs. Ah, il y a un pli. Ok, ouais, donc c'est ça. Il y a une espèce de pli au niveau de la bouée. Je ne sais pas si tu pourras le voir. Là, en fait, tu vois, si ça se voit au niveau du reflet, je pense. Il y a un pli parce que tout simplement, la bouée passe derrière son bras. Alors, je vais d'abord peut-être faire les plocs. Et après, alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un ploc, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo, ouverture de figurine. Parce que j'expliquais ce qu'était qu'un ploc. Donc, le temps que j'essaie de te mettre ça, je vais juste te donner une information. Je n'achèterai pas du tout les Vocaloid version été en maillot de bain. Je sais qu'il y en a deux. Tout simplement parce que, en fait, les chaussures qu'elles ont, ce sont des crocs. Je crois que c'est comme ça, ça se dit. Chaussures, là, en plastique. Et je n'aime pas les crocs. Et donc, je trouve ça pas du tout esthétique. Par rapport, tu vois, à ces petits nu-pieds, là, qui sont tout mignons. Voilà. Donc, du coup, eh ben, il n'y aura pas de Vocaloid d'été pour moi. Voilà. Alors, le tabouret, tu te remets droit. Et en fait, il faut que, donc, ça passe là. Il faut pas avoir peur de péter la figurine, sérieux les gars là. Attends. Comment je fais? Eh ben oui, il y a pas sous le bras, d'accord. Alors, ça passe, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas avoir peur d'appuyer sur les fesses. On appuie comme ça pour la faire rentrer, tu vois. Pas hésiter à faire ça, en fait, au niveau des fesses. Voilà, après, ça, du coup, c'est bien, c'est comme c'est refermé, ça tient bien.
C'est joli, voilà, parce qu'en plus, il y a la partie vraiment pour le bras et tout ça, pour que ça soit bien et que ça ne tourne pas, je trouve. Alors maintenant, on va remettre ça. Voilà. Je sais pas si tu vois, si tu vois. Et voilà, ouais, donc en fait, il faut mieux que tu mettes d'abord les pieds dans le socle ou quoi, mais que tu fasses d'abord la bouée, puis le corps, puis la tête. Voilà à quoi ça ressemble. Regarde-moi comme elle est trop belle. En plus, j'adore ses petites oreilles. Oh, je meurs les oreilles comme ça, moi. Oui, j'adore tout ce qui est elfes et compagnie avec leurs petites oreilles qui dépassent. En fait, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo, du coup, sur les figurines SAO que j'avais achetées, mais je trouve ça super sexy. C'est bizarre, mais je trouve ça sexy en fait. Quand les cheveux d'une fille. Ça, alors. Ouh, dis donc, il faudrait peut-être que je recolore. Mais quand en fait, tu vois, t'as les. Ah! T'as l'oreille qui dépasse comme ça, tu vois, comme si j'avais les cheveux comme ça. T'as la petite oreille qui dépasse. Je trouve ça juste trop mignon. Je trouve ça trop sexy. Voilà, c'est un truc, un petit. On va pas dire un fétichisme, mais presque. Hein. Je trouve ça juste trop mignon. Donc, du coup, quand c'est des ailes, des oreilles comme ça, je suis en amour. Donc, cette ouverture de figurines spéciales SAO du site Figure House est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à liker, commenter et partager cette vidéo. À me dire quelle est la figurine du site qui te plaît le plus, que je puisse voir tes goûts, en fait, tout simplement. Et n'oublie pas de continuer la vidéo pour voir la figurine donc, qui tourne comme d'habitude. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye!